Juste derrière moi, il y a très certainement l'un des jeux de rôle les plus attendus de l'année, Dragon Age The Veilguard. Vous avez peut-être découvert la bande-annonce lors de la conférence Xbox, mais nous, on a eu la chance de nous entretenir pendant 60 minutes avec la réalisatrice du jeu et de découvrir la première heure en avant-première. Et on a plein de choses à dire. You know there will be dragons. Right. From the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Halt! Wait! But I didn't do anything! Get down! Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathus. We've got to help her. 10 ans après la sortie de Dragon Age Inquisition, on a enfin pu poser nos yeux sur l'un des jeux les plus attendus de l'automne 2024. Graphisme, narration, gameplay, Dragon Age The Veilguard nous a vraiment mis une énorme claque. On va commencer par l'éditeur de personnages qui nous a montré à quel point la personnalisation allait être très poussée dans ce nouveau Dragon Age. Ce qui nous a surtout marqué lors de cette présentation, c'est le rendu des cheveux. Il y a plus d'une dizaine de coupes et chacune ont un style unique et un rendu vraiment spectaculaire. Mais la véritable claque, c'est l'univers du jeu et ses somptueux panoramas. Par exemple, on a pu découvrir la première cité du jeu. On a pu admirer les somptueux détails, la distance d'affichage vraiment spectaculaire. Vraiment, l'un de mes coups de cœur lors de cette présentation, c'était de voir les bâtiments flotter au loin. Mais c'est pas tout, on a pu aussi constater qu'il y avait de magnifiques effets de lumière et une modélisation des personnages vraiment époustouflante. Puisque l'on parle des personnages, il faut avant tout rappeler que Dragon Age est un jeu qui se joue avec de nombreux compagnons. Au total, ce sont 7 personnages qui nous accompagnent et vous pouvez en sélectionner jusque 2 lors des combats. En plus de nous épauler pendant les combats, les personnages sont également liés aux héros grâce à un système de romance. Et en plus, à chaque fois que vous faites un choix, les personnages peuvent approuver ou désapprouver votre décision. Et bien évidemment, il faut faire très attention aux choix que vous effectuez parce que malheureusement, aucun personnage n'est à l'abri. Puisque l'on parle des personnages, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le gameplay des combats. De ce que l'on peut en dire, le gameplay est très intuitif. Chaque personnage peut utiliser des attaques de base ou alors des attaques chargées qui permettent, selon le type de votre arme, d'infliger des altérations d'état. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a différentes classes. Et dans chaque classe, vous pourrez choisir entre 3 archétypes différents pour vous spécialiser. Lors de notre essai, la réalisatrice a choisi de nous faire découvrir les compétences du mage. Mais il y en a également beaucoup d'autres que l'on connaît par cœur, comme le guerrier et le voleur, qui ont chacun leur arme de compétences spécifique. Et comme je vous ai parlé des personnages, on peut brièvement aborder le personnage de Solas, qui cette fois-ci aura le rôle d'antagoniste. Durant notre essai, on a pu découvrir que les 7 compagnons allaient tout faire pour l'arrêter. Mais à côté de ça, on peut également découvrir des cutscenes en 2D qui s'inspirent par exemple des cartes de tarot. Ce qui est sympa avec Dragon Age, c'est qu'on est un peu dans un mélange entre Hogwarts Legacy et Baldur's Gate 3. D'un côté, on a de l'action en temps réel, et de l'autre, le système de pause active qui nous permet de réfléchir de manière stratégique à chacun de nos choix. Mais rassurez-vous, l'action en temps réel n'est pas limitée. En l'occurrence, si notre mage pouvait utiliser un sceptre... Nous, dans notre démo, on a pu découvrir les pouvoirs nécrotiques, mais rassurez-vous, ce ne sont pas les seuls. Vous pourrez également appliquer des états d'altération comme la brûlure, l'empoisonnement ou alors la glace. Mais rassurez-vous, pendant la pause active, vous pourrez très bien sélectionner les compétences de votre héros, mais aussi les différents sorts de vos compagnons. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solas.
Petit plus en matière de narration, nous avons découvert les voix anglaises et les sous-titres anglais. Mais il faut savoir que les équipes ont également travaillé à une localisation française, aussi bien en texte qu'en voix. Durant notre essai, on a posé la question à la directrice du jeu concernant la durée de vie. Pour le moment, il n'y avait pas de réponse précise, mais il faut s'attendre à une durée de vie standard où l'on pourra explorer pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Et c'est peut-être le point le plus essentiel, on nous a rassuré sur l'expérience solo de Dragon Age Veilguard. En l'occurrence, il n'y aura pas de composante multijoueur, pas de microtransactions, ni d'obligation d'être logué à son compte Electronic Arts. Nous, de notre côté, on a vraiment hâte de mettre la main sur le jeu dont la sortie est prévue pour l'automne 2024 sans plus de précision. Pour le moment, on sait juste que ça sortira sur PC et Xbox Series. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, en l'occurrence, on est encore dans le cadre des Play Days et on a encore pas mal de choses à vous dire sur les différents jeux que l'on peut voir sur place. On vous remercie de vous avoir regardé, on vous fait tout ça des gros bisous.